Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct ici depuis la métropole de Bordeaux où nous donnons le coup d'envoi de la tournée Zéro Carbone puisque nous avons choisi ici cette métropole pour donner un coup d'envoi qui va nous amener dans toutes les grandes métropoles de France avec cette priorité, cet enjeu Zéro Carbone. Nous accueillons ce matin et nous sommes reçus ici par le président Alain Ziani, bonjour. Et à vos côtés, Olivier Landel, qui est le délégué général de France Urbaine, qui justement rappellera ce qu'est France Urbaine dans quelques instants. France Urbaine qui est partenaire de cette tournée, et Olivier a bien voulu justement donner ce coup d'envoi ici à Bordeaux. Alors, bien entendu, vous allez assister aujourd'hui à une journée de forum, de débat. Je crois que la canicule de ces derniers jours nous a rappelé l'urgence climatique. Les nombreux rapports du GIEC nous démontrent à chaque fois qu'il faut aller beaucoup plus vite. Alors nous allons voir ici, dans cette métropole de Bordeaux, si nous passons justement des paroles aux actes. Il faut rappeler que dans un an, nous serons à mi-mandat et aujourd'hui, nous sommes dans une course à l'action, vu la situation aujourd'hui du climat. Mais pour démarrer cette journée, je laisse la parole à notre président Alain Ziani. Merci. Je voudrais remercier d'abord la tribune et vous, évidemment, en particulier, toute votre équipe, remercier France Urbaine, qui est précieux pour nous, collectivité territoriale. Et puis, vous saluez les uns les autres. Puis, vous dire, je ne vais pas vous parler de ce que vous connaissez aussi bien que moi. Donc, je voudrais peut-être prendre un angle différent. D'abord, avec une conviction qu'on peut tous partager, l'avenir sera décarboné ou ne sera pas. Je crois que ça, c'est une évidence pour aujourd'hui pour tout le monde, qui était moins prégnante quand même il y a quelques années. Je vous avouerai que même moi, peut-être, je n'étais pas aussi convaincu qu'aujourd'hui. Mais évidemment, il suffit de regarder autour de soi. La grêle qui tombe, le froid qui est là, la sécheresse qui est partout. Et pour se convaincre qu'évidemment, aujourd'hui, le défi climatique est la grande question. Moi, je ne sépare jamais quand même le défi climatique du défi social. Sinon, on aura des lendemains qui déchantent. Il n'y a pas qu'un combat à mener. Si on mène un combat, les autres combats, à un moment donné, vont ressurgir et on aura de mauvaises surprises du type gilet jaune si on n'arrive pas à conjuguer les deux ensemble. Mais c'est pour moi une conviction profonde. Je voudrais saluer également un ami, que la dernière fois j'avais rencontré à Darem Salah. Et d'ailleurs, on avait parlé à Darem Salah de la question, d'une certaine façon, de la transition écologique. Donc, merci, je suis content de te revoir. Voilà. Et donc, qu'est-ce que peuvent faire les collectivités territoriales? C'est toujours une question un peu compliquée. Moi, je crois d'abord que là aussi, il faut qu'on ait une réponse plurielle. La réponse plurielle, la première des réponses, elle est à l'échelle mondiale. On peut, nous, toujours faire tous les efforts que nous voulons. Si, je ne veux pas stigmatiser les uns les autres, mais ça, vous le savez comme moi, si la Chine, si les États-Unis, d'autres grands pays ne font pas un minimum, même en faisant le maximum, nous, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais c'est une vision partielle que de dire ça, j'en ai tout à fait conscience. Mais en termes de bilan, on voit bien très bien quand même que ça joue aussi à l'échelle de continent. Mais c'est une vision partielle parce que je suis convaincu, comme vous certainement, que la pédagogie est efficace. Et donc il faut que nous aussi, on soit pédagogues, qu'on explique à nos habitants qui parfois sont éloignés de ces questions, je peux vous l'assurer. On l'a déjà vu, on l'a vu d'ailleurs à la dernière élection présidentielle. Nos habitants peuvent être très éloignés de ces questions. Donc il faut qu'on se méfie d'une fracture entre nous et nos propres habitants. Sinon, on n'y arrivera pas, quoi, parce qu'on ne va pas imposer par la force. Je ne vois pas comment on pourrait le faire, d'ailleurs. Et donc, en tout cas, il faut qu'on arrive à avoir une action pédagogique. Et je trouve que l'action pédagogique, alors, elle est plus facile à la direction des enfants que des adultes. À Mérignac, qui est également ma ville, on fait du tri dans les écoles. Ça marche bien. Et puis les enfants vont dire le soir à leurs parents, tu sais, on a fait ça, etc. Et finalement, c'est un vecteur d'apprentissage qui est très important. Et puis ensuite, après, il y a les collectivités territoriales, bien sûr. Et là, on doit avoir une politique très forte, très puissante. On essaie ici, à Bordeaux Métropole, de mener cette action. On la mène, d'abord parce qu'on a posé la transition écologique comme étant la priorité. Et puis après, on la décline. Voilà, on décline sur tous les aspects, notamment en matière de mobilité. On a placé le vélo avec beaucoup de force. Hein. On va consacrer 150 millions
voies cyclables et des voies cyclables sécurisées dans les prochaines années. On réhabilite les transports en commun avec cette difficulté, hein. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le vélo prend la place du transport en commun plus que de la voiture. Dans nos analyses, c'est très net que la voiture reste avec une, diminue un peu, mais reste avec une place importante, mais c'est le transport en commun qui diminue. Voilà. Donc ça, c'est une difficulté majeure pour nous. Et puis après, on a des actions, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, je pense que c'est une grande affaire. C'est une grande affaire parce que, justement, elle permet de conjuguer à la fois une action pour la planète et une action pour les habitants. Et donc, on a ici une ambition de faire une rénovation énergétique pour plus de 10 000 habitations par an, à terme, bien sûr, tout ça, aller progressivement. Et donc ça, c'est une action très, très importante qui modifiera également la ville, les villes. Et puis on a d'autres actions comme évidemment remplacer les énergies fossiles par des énergies carbone, donc avec par exemple le photovoltaïque ou avec d'autres moyens, avec évidemment aussi tout ce qui concerne les énergies carbone qui viennent des voitures. Donc on va mettre en place une zone à faible émission qui interdira aux voitures les plus polluantes de venir en intra-rocade. On verra tout ça. Mais là, encore une fois, par rapport à ce que je disais au début, il faut empêcher les voitures de venir intra-rocade. Il faut trouver des solutions. Parce qu'on va vous dire, ben, vous êtes bien gentil, mais moi, je n'ai pas d'argent pour changer ma voiture. Bon. Et les artisans, notamment, vont vous le dire. Et il y a un risque de voir que les artisans ne viennent plus à l'intérieur de la rocade. Et là, on aura perdu beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup d'autres éléments. Là, notamment une régie de l'eau. On a fait le choix d'une régie de l'eau. Ici, c'est un vaste chantier. Hein. Une régie de l'eau, mais il faut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on pense que la régie de l'eau permettra d'économiser davantage de ressources qu'une entreprise privée. Donc c'est notre modulation profonde. C'est d'abord arriver à maîtriser les prix, mais ça, c'est très compliqué. En tout cas, à maîtriser les consommations. Alain Anziani, quelle est la recette ici à Bordeaux ? Beaucoup ici s'interrogent, mais partout dans la métropole, sur cette notion du temps et de l'urgence. Vous qui êtes président de cette métropole maintenant depuis 2 ans, comment concilier justement ce qui est du temps de la concertation, ce qui est du temps sur la nécessité de lancer les projets, puis ensuite que ces projets sortent ? Voilà, quelle est la méthode ici que vous employez pour à la fois faire face à l'urgence tout en ménageant, ce que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que cette transition écologique elle soit la plus juste et qu'elle mette de côté personne sur le côté. La méthode, c'est de râler. Voilà. Il faut râler constamment parce qu'en fait, les contraintes sont lourdes. Donc, si vous ne poussez pas, il ne se passe strictement rien. Voilà. Parce qu'il y a toujours ceci à faire. Sur la concertation, un mot peut-être disruptif par rapport à votre culture. Je crois qu'il faut de la concertation, bien entendu. Mais à un moment donné, il faut siffler aussi qu'il faut passer à l'action, quoi. Moi, je ne suis pas pour ces longues périodes de concertation qui, au fond, importent. Mais bon, parfois, c'est quand même de l'eau chaude à réchauffer. Hein. Je vous choque peut-être en disant ça. Mais j'ai une longue pratique de la concertation dans ma ville. Longue pratique. J'ai fait tous les conseils de quartier. C'est 24 ans. Je vois un peu comment ça passe. Il en faut. Mais il faut de la concertation intelligente, ciblée. Sinon, vous avez la concertation militante. Et ça, je crois que c'est une erreur aussi, hein, de ne concerter que ses propres amis. C'est une tendance, c'est une facilité. Et donc, évidemment, à la fin, vous êtes d'accord avec vous-même. Bon. Mais vous n'avez pas... par exemple, il faut concerter les automobilistes sur la ZFE. Bon, c'est assez évident. Sinon, vous allez avoir des lendemains qui vont déchanter, quoi. Et donc, il faut de la concertation ciblée, universelle, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde, et puis une concertation qui ne mettent pas des années et des années. Enfin, quelques mois doivent pouvoir suffire si on l'amène à une vitesse importante avec beaucoup d'intensité. Olivier Landel, merci d'être ici avec nous aujourd'hui à Bordeaux pour donner ce tour de France. Une tournée préparée par la rédaction de la Tribune et avec notre partenaire, le professeur Carlos Moreno, que nous accueillerons dans quelques instants, qui vient d'être élu président de l'Observatoire mondial des proximités. Donc il fait sa première sortie à Bordeaux avec cette nouvelle responsabilité mondiale. On est très heureux pour lui. Olivier, France Urbaine, associé à cette initiative, peut-être rappeler à toutes celles et ceux qui sont avec nous ce matin ce qu'est France Urbaine.
Oui, merci Jean-Christophe. France Urbaine, c'est l'association qui représente les territoires urbains en France. Elle regroupe qui ? Elle regroupe toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Enfin, je viens d'apprendre que Saint-Denis à La Réunion vient de passer le cap des 100 000 et pas encore membre. On va leur écrire. Toutes les métropoles, elles sont 22. Toutes les communautés urbaines, parce qu'il en reste. Et toutes les agglomérations, sauf deux encore qui ne sont pas membres, je crois, de plus de 250 000 habitants. Au total, c'est à peu près 30 millions d'habitants. Mais surtout, du fait de l'organisation de notre territoire, qui est fait donc en commune et en EPCI, c'est la vie de beaucoup plus d'habitants qui est concernée. Alain le disait tout à l'heure, lorsque nous agissons en tant qu'autorité dans une métropole, ça a des conséquences sur la vie de beaucoup plus de gens que ceux qui sont officiellement les résidents de nos métropoles. Et donc cette association, en fait, eh bien, son premier boulot, c'est de mettre autour de la table les dirigeants de ces grandes villes, de ces métropoles, les élus, quelle que soit leur responsabilité, mais également ceux qui, les techniciens, les directeurs généraux, les directeurs adjoints, etc., sous forme de communautés de travail, hein, donc des commissions thématiques, il y en a une vingtaine, des groupes de travail, etc. Donc la première mission, c'est de leur permettre d'avoir des lieux d'échange, d'échange de bonnes pratiques, d'échange de solutions, et puis également d'échange de blocages, de difficultés à mettre en œuvre qui peuvent parfois se débloquer par un dialogue à instaurer, soit avec d'autres partenaires de la société civile, des grands groupes, des ONG, et puis c'est dans nos missions, évidemment, avec le Parlement et le gouvernement. Et donc, un des grands champs de notre action, c'est d'essayer de convaincre et d'expliquer aux parlementaires et au gouvernement que nous avons des solutions et qu'il faut nous laisser les mettre en œuvre. Et une des grandes difficultés d'une période qui n'est pas actuelle, mais qui se prolonge, ça fait des années que c'est comme ça, c'est que, en fait, depuis que la décentralisation a été mise en place en 1981, on ne fait toujours pas confiance vraiment aux collectivités locales, on ne leur laisse pas suffisamment d'autonomie. Et donc, du coup, on se bat en permanence entre des intentions que nous avons, beaucoup de projets, et des blocages législatifs, réglementaires, qui nous empêchent de faire. Alain évoquait les zones à faible émission. C'est une vieille histoire. C'est des choses qui ont été mises en place dans la loi il y a longtemps, avec le soutien des communautés urbaines et de France Urbaine, parce qu'il y avait cette préoccupation de la santé, etc. Et aujourd'hui, quand on veut le mettre en place, eh bien, on n'a pas toutes les clés pour le faire. On ne peut pas décider nous-mêmes de faire un système de détection des véhicules pour permettre de réguler les trafics, d'envoyer le cas échéant des amendes, etc. Mais surtout, on ne peut pas non plus subventionner l'artisan qui n'habite pas dans la métropole, mais qui a besoin, parce qu'il est plombier, d'intervenir dans la métropole, et qui a besoin de venir et qui n'a pas les moyens de changer son véhicule pour un véhicule plus propre et qu'on n'a pas le droit, nous, d'accompagner, alors que, le cas échéant, on serait prêt à le faire. Il y a, je prends cet exemple-là, il y en a des centaines. Ce que je peux dire également, c'est que on est très content d'être partenaire de la série de rencontres zéro carbone. Je l'évoquais avec Jean-Christophe tout à l'heure. Au début, la tribune, on parlait de Smart City, c'est ça ? On regardait ça bizarrement, nous, Smart City, c'est quoi ce machin ? C'est greenwashing, votre truc, là. Et puis, la tribune a eu cette intelligence de faire un petit tour de France et a rencontré les présidents de métropole et a bien vu que notre préoccupation, c'était numéro un, zéro carbone, mais, ça a été très bien ajouté, à condition que la dimension sociale soit prise en compte en même temps. Et donc, France Urbaine porte aussi cette dimension-là au niveau national, c'est-à-dire une transition écologique et sociale. On fait des tribunes,
on essaie de convaincre les ministères de jamais oublier que l'un ne va pas sans l'autre. Et je le rappelle aussi, et dans la question sociale, il n'y a pas que la question de l'accompagnement des gens en difficulté. Il y a la question de l'emploi, il y a la question des entreprises, etc., etc. Et donc, on est très content maintenant d'accompagner ces forums zéro carbone. Là, évidemment, on ne passe pas dans les 22 métropoles, mais enfin, quand même sur un certain nombre d'entre elles. Et puis, il y a un rendez-vous parisien, je crois, chaque année. Le 8 décembre, voilà. Pour la Journée mondiale du climat, où on espère justement que Bordeaux sera présent, parce que c'est l'occasion de réunir toutes les métropoles et, comme vous l'avez dit, de benchmarker, de regarder justement, parce qu'il y a des bonnes initiatives partout. Et c'est aussi le rôle de notre journal, justement, de pouvoir montrer cette diversité d'initiatives. Peut-être une question que se posent certainement aujourd'hui des Bordelaises et des Bordelais. Ici, on a fait un certain nombre d'événements sans public, parce qu'on était bien sûr dans un contexte sanitaire difficile. Est-ce qu'à votre avis, le modèle urbain est un modèle qui doit être défendu? On a dit, après la crise de la Covid, que finalement, les Français allaient s'éloigner du monde urbain, allaient renouer avec peut-être des villes moyennes, peut-être avec la ruralité. Moi, j'ai envie de vous poser la question, peut-être d'abord Alain Ziani. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut sauver ce modèle urbain? Ce matin, on va parler de qualité de vie, qualité de ville. Est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu en qualité de vie ou pas? Est-ce que vous arrivez à le mesurer à l'échelle de la métropole de Bordeaux et comment il faut le défendre? Peut-être question d'abord à vous, Alain Ziani, avant de poser la question à Olivier Landel. Oui, il y a un défi urbain à relever. Moi, je dis toujours qu'il faut réinventer la ville. Nos habitants en ont marre hein, d'avoir des villes congestionnées, d'avoir des villes où la qualité de l'air n'est pas la bonne, où leur santé peut être en péril, où il faut faire attendre parfois des heures pour aller d'un point à un autre. Il y a un modèle de ville qu'il faut réinventer, c'est sûr. Et il faut le réinventer d'ailleurs aussi avec les autres. Ici, une des actions que nous menons, c'est l'idée que nous ne sommes pas concurrents avec les territoires voisins, on les appelle voisins et pas hôtes. On n'est pas concurrents, on doit être complémentaires. Et notamment en matière de mobilité. C'est-à-dire qu'on conclut aujourd'hui des accords avec les autres territoires, par exemple le territoire de la Libournais, sur la ZFE, pour qu'ils apportent une aide aussi à leurs habitants qui vont venir dans la métropole et donc pour qu'ils puissent changer de véhicule. Mais je crois que oui, il faut un autre modèle de vie et donc de ville qui d'abord rapproche certainement les transports du logement. Il y a un couple habitat-mobilité qui est majeur. Il faut le réinventer complètement avec des transports qui soient le plus décarbonés. En tout cas, c'est notre objectif. Et des habitations qui soient décarbonées. Et surtout, avant, on pensait mettre les villes à la campagne. Aujourd'hui, il faut mettre la campagne dans les villes. Et donc, il faut remettre la nature dans les villes. Ça, c'est un objet majeur. Je développe ici une politique qu'on appelle une politique planter 1 million d'arbres en 10 ans. On est en train de tenir le pari pour qu'on plante 1 million d'arbres. C'est pas pour l'arbre, mais c'est parce que l'arbre, c'est un îlot de fraîcheur, parce que l'arbre, c'est la biodiversité, parce que l'arbre, c'est un puits de carbone, et puis parce que l'arbre, c'est justement aussi ce qu'on veut voir dans une ville. C'est ce qui est agréable pour chacun de nous. Donc, mais je trouve qu'on ne travaille pas assez sur cette idée d'une ville nouvelle, quoi. Qui ne soit pas uniquement bétonné, mais qui soit... Et en même temps, il faut une ville aussi qui offre du logement. Ici, on n'est pas de très bons élèves. Hein. Il nous manque 42 000 logements sociaux sur l'ensemble de l'agglomération. Et pourtant, on est accusé d'être des bétonneurs. Bon, on parlera de logement, c'est un sujet qui sera abordé ce matin. Olivier Landel, alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Français fuient la ville ou au contraire, ils ont envie d'une ville réinventée? Oui, enfin, c'est effectivement des choses qu'on a lues pendant la période Covid. C'est très parisianiste, ça, comme vision des choses. C'est quelques-uns qui, eux-mêmes, avaient envie de campagne et qui ont cru que c'était la volonté de tous les Français que d'aller dans le Luberon, comme si tous les Français avaient les moyens d'aller dans le Luberon. Enfin, je ne veux pas me faire des amis en disant ça. Ce qu'on constate, d'abord, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique de ville. Moi, qui ai l'expérience, ça fait 20 ans que je travaille pour les communautés urbaines, puis pour les métropoles. J'avais l'habitude de dire, lorsque les communautés urbaines étaient 14 à l'époque, il y a 14 communautés urbaines faciles à classer en 14 catégories distinctes. Ben, ça vaut toujours aujourd'hui pour les 22 métropoles. Ça veut dire que l'idée qu'il puisse y avoir
une façon unique de concevoir la ville et qui puisse être reproductible à l'infini, j'y crois pas beaucoup. Par contre, ce qui est certain, et ça c'est un des grands axes de travail à France Urbaine, c'est cette notion qu'on a appelée nous l'alliance des territoires, l'interterritorialité. C'est-à-dire c'est ça la particularité des grandes villes, en tout cas en France. En France, les grandes villes, c'est des petites villes de Chine. Hein, où c'est cette particularité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on interagit avec un territoire beaucoup plus large. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt par des coopérations interterritoriales qu'on va trouver des solutions à ces questions de densification, à ces questions de transport, etc. On sait tous qu'il faut densifier, mais on sait tous aussi que la tendance, c'est plutôt d'avoir son petit pavillon à l'extérieur, etc. Donc il faut retrouver cette capacité à avoir des zones agréables. Mais quand je dis retrouver, c'est compliqué parce que la dynamique de la croissance urbaine, elle est toujours là, malgré tout ce qu'on nous raconte. Les métropoles continuent de gagner des habitants. Et donc, on ne va pas ouvrir le débat là maintenant, mais les questions financières, fiscales, d'autonomie sont aussi des questions extrêmement importantes. La suppression de la taxe d'habitation change nos modèles de financement. Demain, la suppression de la contribution à la valeur ajoutée des entreprises va peut-être poser aux dirigeants locaux les mêmes questions qu'ils ont pour les logements, demain pour l'implantation des entreprises. Donc tous ces sujets-là sont aussi des sujets qui sont très portés au niveau de France Urbaine. Bien, en tous les cas, merci Président, merci cher Olivier d'avoir donné le coup d'envoi avec nous ici à Bordeaux, dans cette métropole. Merci en tout cas à celles et ceux qui nous sont fidèles à Bordeaux, puisque finalement, si ce matin on a démarré par la pluie, on dit souvent journée pluvieuse, journée heureuse, nous on a eu les résultats médiamétrie en audience pour la Tribune, ils sont en très forte progression ici aussi à Bordeaux, avec 8 millions de visites. Je remercie la rédaction de la Tribune à Bordeaux, Pierre Cheminade, également vous aurez tout à l'heure Géraldine Rabier qui vont animer cette journée. Merci à notre directrice régionale Sandrine Martinez. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée. Vous allez accueillir ici des acteurs scientifiques, vous allez avoir des entreprises, le monde associatif, des ONG, toutes les voix justement qui comptent pour parler du sujet du climat ici à Bordeaux. Excellent forum zéro carbone à vous tous.